The President, please be seated. The court is now in session. Reprenons l'audience. Judges of the bench, would you wish to put questions to the expert? À l'expert. You take the floor, Judge Lavergne. Juge Lavergne, je vous en prie. Oui, monsieur l'expert, ce que j'ai entendu ce matin, c'est que vous aviez eu l'occasion d'avoir plusieurs entretiens avec l'accusé. Vous nous avez parlé notamment des sources d'inspiration idéologique du PCK, et j'aimerais savoir si cet aspect de votre rapport a également été discuté avec l'accusé lui-même. Notamment, vous nous avez parlé de la culture de violence qu'avait pu connaître ce pays. Or, nous avons été amenés à poser des questions sur les expériences de la violence politique que l'accusé lui-même avait pu connaître. Alors, est-ce que vous avez abordé cet aspect de la question avec l'accusé lui-même? Et est-ce que vous pouvez nous dire éventuellement ce que l'accusé vous en a dit? Merci, monsieur le juge. Effectivement, j'ai beaucoup échangé avec l'accusé sur les sources idéologiques du régime du Kampuchea démocratique. Mais je n'ai pas abordé précisément la question de la violence et de la violence politique. Ce que j'ai exposé ce matin, c'est plutôt le résultat de recherches historiques sur la période qui commence avec l'indépendance du pays en 1953. Je n'ai pas expressément évoqué la question de la violence politique avec l'accusé. Donc, il ne vous a jamais dit que c'était que la violence politique était quelque chose qu'il avait accepté comme faisant partie du combat, comme étant inhérente à la politique du PCK. Vous n'avez pas abordé du tout cette absence. D'accord. Micro pour le témoin, s'il vous plaît. George Lavergne continues. All right. Excusez-moi. Je ne peux pas rapporter des propos qui ne m'ont pas été tenus, même si on peut avoir sur la place de la lutte armée dans le combat communiste classique une opinion, ça n'a pas été évoqué et il ne m'a rien dit. Alors, on a beaucoup parlé également donc ce matin des sources. Vous avez parlé, je dirais, de la source française, de la source soviétique. Ce qui m'intéresse un peu, j'aimerais que vous développiez un peu plus le problème de la source chinoise, parce qu'il me semble qu'on n'a pas eu beaucoup d'explications. Or, il me semble que l'accusé, de par son histoire personnelle, de par ce qu'il nous a dit aussi, de la fierté qu'il avait pu voir, que la Chine avait été à la tête d'une grande révolution et que cela avait contribué peut-être à restaurer aussi l'image des Chinois qu'il pouvait avoir. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également abordé avec lui, cette source chinoise? Est-ce que vous savez, par exemple, quel type d'ouvrage l'accusé lui-même a pu lire ou pas? Effectivement, on a un peu abordé la place de la Chine dans la formation idéologique de l'accusé. Mais comme vous venez vous-même de l'indiquer, je crois que ce que l'accusé percevait surtout, c'est cette espèce de restauration de la fierté nationale chinoise d'un pays qui avait été pillé, découpé en morceaux par nous, les Européens, et qui retrouvait
avec la victoire du Parti communiste chinois et de Mao Tse-tung, une certaine dignité, une certaine fierté nationale. C'est plutôt cet aspect-là. Il a mentionné des ouvrages, notamment des ouvrages de Mao Tse-tung lui-même, mais d'autres aussi. Mais je n'ai pas eu le sentiment que c'était constitutif d'un comportement. Je n'ai pas eu le sentiment, en tout cas, que ces lectures chinoises, je vais dire, aient contribué à conforter, sauf pour l'adhésion d'une manière globale, générale, au communisme, au sens le plus large du mot, mais à conforter ce qui fut son rôle spécifique comme exécutant dans le Kampuchea démocratique. Et en ce qui concerne les événements que l'on qualifie de révolution culturelle chinoise, est-ce que c'est quelque chose qu'il a pu aborder? Est-ce que c'est quelque chose qui a eu une certaine importance? Parce que là, on se situe dans des périodes de temps qui sont quand même très proches. On a aussi, me semble-t-il, certains traits qui peuvent être des traits communs. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé? Il y a des habitudes qui sont difficiles à prendre, excusez-moi. La révolution culturelle chinoise a beaucoup marqué les esprits au Cambodge. Il y avait une association de solidarité sino-khmer, dont d'ailleurs un des futurs ministres de Pol Pot et aussi une des futures victimes des 21, Hu Nim, était un des principaux protagonistes, puisque il a été poursuivi par Sihanouk pour distribuer le petit livre rouge de Mao Tse-tung à l'époque de la révolution culturelle. Mais encore une fois, je n'ai pas le sentiment personnellement que les événements de la révolution culturelle, outre le fait qu'ils confortent les motivations de l'adhésion au communisme, les motivations confortent la pertinence du combat qui est celui des communistes cambodgiens, outre ce fait-là, je n'ai pas personnellement le sentiment que ça joue une influence décisive dans ce qui va devenir le Kampuchea démocratique. Sauf pour, et j'y ai fait mention, mais avec des réserves, sauf pour une certaine conception du collectivisme agraire, du collectivisme rural. Mais je l'ai dit tout à l'heure, la Chine n'a jamais été aussi loin que le Kampuchea démocratique en matière de collectivisation des terres, de démantèlement des familles rurales. La Chine n'est pas allée aussi loin. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis de rappeler qu'ils voulaient aller aussi plus loin que Mao, dans leur volonté d'aller en un seul bond. Ce matin, lorsqu'il a été question de l'influence soviétique, il a été grandement question des procès. Or, il me semble que s'il y a une chose qui caractérise le Kampuchea démocratique, c'est justement l'absence de procès. Vous avez parlé du secret tout à l'heure. Effectivement, on est, me semble-t-il, dans des procédures du plus extrême secret. Par contre, peut-être ce qui peut relier les deux, la source soviétique et ce qui s'est passé au Kampuchea démocratique, ce sont les confessions. Ce que ici on appelle les confessions, ce que ailleurs on appelait des aveux. Mais le terme ici, c'est vraiment le mot confession. Et j'aimerais savoir si, dans vos entretiens avec l'accusé, vous avez été amené à parler avec lui, justement, de l'importance de ces confessions. Monsieur le juge, je suis tout à fait d'accord avec vous pour reconnaître qu'il n'y a pas eu de procès au Cambodge. J'ai souligné l'importance dans la formation politique des jeunes Cambodgiens qui étaient à Paris, justement des procédures qui étaient mises à l'œuvre à l'occasion de ces procès, et notamment de cette
déconstruction de la personnalité, qui était le fait de, des interrogateurs, ce que raconte très bien, et je présume que vous connaissez cela aussi bien que moi, Arthur London dans le livre L'aveu, comme c'est reproduit d'ailleurs dans le film qui a été réalisé par la suite. Pour moi, c'est ça qui me semble le plus important, c'est qu'on essayait d'obtenir aveu, confession. Vous savez, moi j'ai le sentiment qu'on dit confession au Cambodge parce que les premiers chercheurs étaient anglo-saxons et qu'ils utilisent le mot confession. Mais on pourrait, si je ne m'abuse, dire créer Santepiap. Ça, c'est le mot khmer. Si je ne massacre pas trop la langue avec un accent qui est certainement très imparfait. Quel que soit le mot, il définit la même chose. Cette technique, et là nous en avons parlé parce que c'est quand même au cœur de ce qui se faisait dans les 196 centres de sécurité du Cambodge, c'était obtenir une déclaration de la part de quelqu'un dont on avait décidé de toute façon au préalable qu'il était coupable et condamné, mais afin de pouvoir justifier l'acte et surtout de pouvoir s'en servir vis-à-vis d'autres qui étaient les prochains sur la liste, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est vraiment un élément dont on a beaucoup parlé, parce qu'il est central. Et d'ailleurs, l'accusé le disait lui-même, que l'essentiel de son occupation, que l'essentiel du temps qu'il occupait, c'était de relire les confessions, c'était de faire cela plutôt, dit-il, que d'interroger lui-même directement. Et c'est vrai, quand on regarde la masse de documents que ça représente, il fallait y consacrer effectivement beaucoup de temps. Donc, cette partie-là de son rôle, elle s'est reflétée dans nos entretiens, on en a beaucoup parlé. J'ai d'ailleurs essayé de savoir, j'ai poussé plus loin que je pouvais, qui lui avait appris, comment avait-il appris cette technique pour que lui-même l'apprenne à ceux qui étaient les interrogateurs, puisque c'était un des éléments de la source de la terreur, de la source de la torture, de la source de idéologique. Et dans ce contexte-là, Sun Sen joue un rôle majeur. Il n'est pas le seul. Von Vett aussi a été à un moment un instructeur de l'accusé. Mais Sun Sen joue un rôle majeur et c'est ça qui m'a personnellement, c'est pour ça que je me suis permis, avec un peu d'assistance, j'en conviens, de faire le lien entre ce que Sun Sen a appris à Paris et ce qu'il fut par la suite, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique direct de l'accusé. Donc, lors de vos entretiens, est-ce que vous avez ressenti la part de l'accusé la conscience que ces confessions servaient à donner du poids à des accusations, à des définitions d'ennemis qui étaient celles fournies par le centre du parti? Et est-ce que même au-delà, est-ce que vous avez pu ressentir, ou est-ce que l'accusé vous a indiqué qu'il avait pu contribuer à développer ces définitions des ennemis du parti? Très, très vite, l'accusé a indiqué qu'il ne croyait pas que c'était par les techniques qui étaient employées, c'est-à-dire la torture, qu'on pouvait obtenir la vérité. Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Il faisait, il l'a dit à de multiples reprises, ce qu'on lui demandait de faire. Alors, a-t-il contribué à une formulation qui convenait au centre? Sans doute, puisqu'il réagissait aux injonctions qui venaient du centre, qui venaient du bureau 870, qui venaient du comité permanent, du comité central. Il insistait d'ailleurs beaucoup pour dire que c'était
Il parle même de conversations téléphoniques quotidiennes avec Sun Sen, que c'était sur les instructions de Sun Sen qu'il agissait comme il agissait. Tout, si je peux dire, tout son système d'explication a consisté à dire qu'il était un relais exécutant d'instructions qui lui étaient fournies. Ça, c'était particulièrement sensible lorsqu'il s'agissait de décider du sort ultime des victimes. Il se référait, en tout cas dans les conversations, aux instructions reçues, chaque fois. Each time to the instructions he had received. On a également parlé ce matin de la terreur morning, et j'aimerais savoir si vous avez abordé avec l'accusé les relations, le type de relations que lui-même entretenait à l'égard du personnel de S21. With the S21 non. Personnel. Did you pas du tout. This non, with pas the du tout. Answer, not at all. Parce que, au cours des débats, il a été aussi question des dénonciations. On a parlé des dénonciations. Vous avez dit que c'était une pratique généralisée. Mais Duc lui-même a indiqué qu'il dénonçait à ses supérieurs les comportements de ses subordonnés qu'il estimait contraire à ceux d'un gardien modèle ou d'un cadre du Parti communiste. Donc, ce ne sont pas des choses que vous n'avez pas du tout abordées. So you didn't discuss this at all, did you? Je répète que nous n'avons pas abordé la question des relations entre Duc et le personnel du centre. Cela dit, moi, c'est quasiment normal dans un système où la délation est la règle qu'il ait été partie de ce système. J'ai beaucoup étudié le fonctionnement d'un autre camp, Bountrabek, où se trouvaient les diplomates et les étudiants. Il y avait là aussi un directeur de centre qui était tenu de faire rapport au bureau 870 et qui était tenu de faire état des mauvais comportements ou des défections ou de l'attitude et de son personnel et de ses prisonniers. Je crois que, c'est, encore une fois, c'est un exemple de ce qu'on est dans un système total, global, où chacun espionne chacun, et s'il ne le fait pas, c'est lui-même qui risque d'être menacé. D'où on est dans cette logique. Mais c'est plutôt une déduction personnelle que le résultat d'une conversation avec l'accusé. Il a également ce matin été question d'une inspiration raciste dans la politique mise en œuvre par le PCK. Est-ce que c'est également un aspect du problème dont vous avez pu discuter avec l'accusé? Est-ce qu'il a pu vous indiquer qu'il avait conscience de cette difficulté? Est-ce qu'il vous a dit si certains détenus de S21 étaient détenus parce que en raison de considérations racistes? Non. On a évoqué la présence de prisonniers vietnamiens liés à la situation des relations entre les deux pays, mais on n'a pas abordé l'aspect du racisme. Si je peux me permettre d'être un peu libre dans mon expression pour être en contact avec le Cambodge depuis 20 ans, personne ne peut nier que lorsque l'on parle des Vietnamiens au Cambodge, on entend un discours d'une tonalité qui n'est pas toujours très fraternelle.
Et donc, ce n'est pas étonnant, et de ce point de vue-là, on n'entendra pas quelque chose de différent de la bouche de l'accusé, de beaucoup d'autres Cambodgiens. Il y a un petit peu de ce que nous avons connu en Europe, de la manière dont les Français pouvaient considérer les Allemands et les Allemands considéraient les Français, avec des intensités qui ont ici, mais chez nous aussi en d'autres temps, été dramatiques. Alors, je voudrais enfin aborder un autre problème qui est, semble-t-il, difficile, celui de la place de S21 parmi les autres centres de sécurité. On sait qu'il y a eu de nombreux centres de sécurité dans tout le Cambodge. Ce que j'aimerais que vous nous indiquiez, c'est si, selon vous, S21 est un centre qui revêt certaines spécificités qui en font un centre à part, ou si, comme je l'ai lu dans votre note, c'est un centre parmi d'autres, dans un système général d'élimination planifiée. Alors, s'il y a spécificité, laquelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, étant précisé que dans votre note, vous indiquiez également, en vous fondant sur des documents qui ne sont pas joints à votre note, qui ne sont pas non plus versés au dossier, vous indiquiez que S21 n'était pas, de loin s'en faut, le plus important des lieux d'extermination. S21, j'ai envie de dire qu'il y a une spécificité subjective et une spécificité objective. Il y a une spécificité subjective dans la mesure où, parce que ce centre se trouve dans la capitale du pays, parce que dès 1979, on a décidé d'en faire le musée du génocide, pour reprendre les termes exacts de son intitulé, parce que c'est celui que visitent les journalistes, c'est celui sur lequel l'attention a été la plus fortement attirée. Oubliant par là que, d'abord au début, on ne parlait même que de S21, on ne parlait très peu, il a fallu les travaux, les recherches, notamment de DICICAM, pour que soit mis en évidence le nombre d'autres centres de sécurité. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi une spécificité objective, parce qu'à la différence des autres centres de sécurité, à S21, on a trouvé parmi les victimes des gens venant de la totalité du territoire national, des gens qui étaient presque systématiquement, dont l'arrivée à S21 était presque systématiquement décidée par le comité permanent du comité central. Donc, il y a une spécificité de S21. Je l'ai mentionné d'ailleurs tout à l'heure. C'est à S21 qu'on trouve, dans des proportions dont les chiffres peuvent varier, mais qui me semblent dans une proportion nettement majoritaire, parmi les victimes, de cadres de différents niveaux du Kampuchea démocratique, venant de tout de toutes les provinces ou de toutes les zones, pour reprendre le terme de l'époque, du pays. Cela étant, il est toujours un petit peu difficile d'aborder quelque chose qui quand même concerne des souffrances immenses et beaucoup de morts, une espèce de classification de l'horreur. Mais il n'en demeure pas moins que, et c'est à ça que je fais allusion dans la consultation auquel vous avez fait référence, qu'il y avait dans le territoire du Kampuchea démocratique d'autres centres de sécurité où, à tout le moins, et je sais qu'il y a des réserves
sur la comptabilité des cadavres quand ce ne sont plus que des squelettes, mais manifestement où il y a eu un plus grand nombre de victimes qu'à S21. Ça n'innocente et ne disculpe personne. Ça me donne le sentiment peut-être, et si vous me permettez, je le dirai avec un petit peu de franchise, que il n'y a pas que l'accusé qui devrait être accusé comme responsable d'un centre de sécurité, si tant est qu'on veuille bien faire l'effort de trouver d'autres responsables de centres de sécurité encore en vie aujourd'hui. Et on est nombreux à savoir qu'il y en a qui sont encore en vie et qui vivent paisiblement, alors que manifestement, ils étaient à la tête d'un centre de sécurité où il y a eu énormément de victimes, et parfois beaucoup plus qu'à Tuol-Sleng. Alors, est-ce que parmi les spécificités de S21, il n'y en a pas une qui tient au fait que S21 avait plusieurs branches, la branche de Tuol-Sleng proprement dite, et aussi la branche dite de S24, et est-ce que, si vous pouvez répondre à cette question, est-ce que tous les centres de sécurité disposaient ainsi de plusieurs branches, ou est-ce que la situation était différente? Et une autre observation, est-ce que vous savez, est-ce qu'il existe des statistiques fiables, peut-être plus fiables que celles concernant le nombre de personnes tuées, mais des statistiques fiables indiquant le nombre de personnels employés par les centres de sécurité? That would enable us to find out how many persons were employed at S21. Do you know how many people were employed at S21? Les éléments auxquels vous faites référence, à savoir qu'il y avait plusieurs divisions, sections, pressors, S24 à S21, participent de ce que j'appelais une spécificité objective, c'est clair. Et le personnel, même s'il a varié, a été infiniment, d'après ce qu'on sait. Et j'ai un peu des difficultés à avancer des chiffres parce que quand on est aussi précis que ceux que j'ai lus sur S21, j'ai quand même parfois un peu de doute, même si le directeur de S21 est réputé pour être quelqu'un de minutieux dans ses comptabilités. Mais il ne fait pas de doute qu'on est avec des effectifs de plusieurs centaines de personnes à S21 et que, apparemment, je dis bien apparemment, parce que les recherches n'ont pas été poussées avec la même intensité sur les autres centres, et en particulier sur ceux dont on pense qu'il y a eu beaucoup plus de victimes qu'à S21. Mais apparemment, je crois que l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire cela, apparemment, il y avait moins de personnel dans les autres centres de sécurité, parce qu'il y avait un travail moins important, notamment au niveau des confessions. On argumente aussi en disant on n'a pas trouvé de confession ailleurs. Je voudrais simplement dire ici que, selon les dires de l'accusé lui-même, la veille du 7 janvier 1979, Khieu Sampan lui a déclaré qu'il ne fallait pas se faire de soucis, que les Vietnamiens n'entreraient pas dans Phnom Penh, et c'est une des raisons majeures que les archives d'S21 n'ont pas été détruites. On a eu largement le temps, dans beaucoup d'autres centres de sécurité du Cambodge, de les détruire. Et donc je serais plus prudent que d'aucuns en disant il n'y a pas d'archives ailleurs, donc ça n'était pas aussi important. Je crois que là on est encore devant un champ d'investigation pour la recherche, pour les chercheurs, pour établir l'ampleur exacte du phénomène de l'élimination physique comme méthode de gouvernement. Je vous remercie beaucoup, Monsieur l'expert. Je n'ai pas d'autres questions à poser à l'expert. I have no other questions for the expert. The President. Le Président. Next, the Chamber would like to give the floor to the co-prosecutor to put questions to this expert. Permettre de poser les questions qu'il souhaite poser
The co-prosecutors have 15 minutes. Vous disposez de 15 minutes. Co-prosecutor, thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. Good afternoon, Mr. Genard. Bon après-midi, Monsieur Raoul Genard. I have some questions for you. J'ai this morning and just then, in your response to à l'instant, dans le cadre your de honor, votre réponse, the strategies questions used juges, by the leaders during the democratic Cambodia regime. Par les leaders, based on your les research, du régime du Cambodge démocratique, would you be able to tell the chamber vos recherches, the strategies or approaches de used nous, by the de nous CPK quant aux stratégies during et that à l'approche time, adoptée par le PCK were pendant they cette période, copied et en particulier from other communist countries, especially from the former si Soviet Union, si from the Lenin, Stalin, or from China, or from the Cultural Revolution in China, Chine, or from bien, Vietnam. Une copie du modèle vietnamien ou bien du modèle russe. Si j'ai bien compris, Monsieur le procureur, quand vous utilisez le mot qu'on traduit dans mes oreilles par stratégie, il s'agit du projet politique mis en œuvre. Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? Dans la traduction en français de votre question, on utilise le mot stratégie. Je voudrais savoir si ce vous signifiez par là le projet politique mis en œuvre. Le coprocureur. I have problem with my earphone. J'ai du mal à entendre. What I said is in reference to your report at section 5. You talk about the strategies used by the CPK. Rubrique numéro 5. The CPK inaugurated and implemented the use of such strategy. And you talk about the former Soviet Union, about Lenin, and about Stalin. Vous avez so parlé my de question du is, du the strategy implemented during the Democratic Cambodia was it cloned or copied from those communist countries? A-t-elle été une copie de ces régimes communistes? Je l'ai dit dans mon propos introductif ce matin, c'est confirmé par de nombreux écrits, la volonté du Kampuchea démocratique, c'était de passer à la société communiste idéale en un seul bond, sans transition. Avec, et on a des écrits, et on a même des écrits dans les archives des S21, la volonté de faire mieux que l'Union soviétique, de faire mieux que Lénine et Staline, parce que après, pour ceux qui suivent, les dirigeants du Kampuchea démocratique considèrent presque qu'ils ont trahi, et de faire même mieux que la Chine de Mao Tse-tung. Il y a quelque chose là qui relève presque de l'irrationnel dans la volonté de faire mieux que tout le monde dans le monde communiste, quelles que soient ses chapelles, si j'ose dire. Faire mieux que ceux qui suivent Pékin, faire mieux que ceux qui suivent Moscou. Une espèce de volonté d'excellence dans un système qui ne tient évidemment aucun compte, je l'ai dit et je crois avoir beaucoup insisté là-dessus, du coût humain, de cette conception de la révolution. Il n'y a aucune espèce de transition qui est ménagée. Alors, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que
pour ce qui est de l'organisation du parti, pour ce qui est du système de l'appareil de sécurité, j'ai essayé de démontrer que pour moi, en tout cas, l'inspiration est davantage stalinienne et davantage donc soviétique. Pour les modèles, ne pourra nier qu'il y a eu ici une tentative de réaliser un collectivisme rural, un collectivisme agraire absolu. Il est clair que c'est la référence est davantage chinoise. Mais encore une fois, en allant plus loin, on n'a pas démantelé en Chine les familles rurales. On n'a pas poussé le collectivisme des terres aussi loin en Chine qu'on l'a fait dans le Kampuchea démocratique. Et c'est ça la spécificité, ce que j'ai appelé la spécificité du polpotisme, c'est de vouloir aller plus vite, plus loin que tous les autres dans l'édification de ce qu'eux appelaient le communisme sans le moindre ménagement pour les vies, pour les humains. Thank you, Dr. Jenner. My second question. Monsieur Jenner, je vais maintenant passer à ma deuxième question. Based on your research, can you respond in brief? Répondre brièvement à la question suivante. Cruelty and the barbarity during the mass killing, tortured and the administration system in various detention centers, particularly S21 center. Were the mechanism similar over it special compared to this sort of system implemented in various other communist countries? Système mis en œuvre dans les pays communistes. Pour ce qui est du fonctionnement d'un centre de sécurité comme celui des 21, de la volonté d'obtenir des prisonniers, ce qu'on a appelé des confessions ici, des aveux là-bas, je veux dire en Europe de l'Est notamment, mais aussi en Russie, en Union soviétique, je ne vois pas de grande différence. Tout s'est terminé, sauf ce que nous évoquions avec M. le juge Lavergne, qu'il y avait des procès, mais des procès qui correspondent très peu à la conception qu'on se fait dans une démocratie d'une justice publique et contradictoire, mais sauf qu'il y avait une mise en scène, parce que c'était surtout cela, sauf qu'il y avait une mise en scène dans les pays du bloc soviétique, l'objectif était d'obtenir des confessions, d'obtenir la dépersonnalisation des individus, leur humiliation, et puis d'une manière qui était certes moins systématique dans l'Empire soviétique que cela fut au Kampuchea démocratique. Il y a quand même eu des exécutions capitales en très grand nombre. J'y ai fait allusion, notamment le procès de Budapest et de Sofia, c'est par dizaines qu'il y a eu des exécutions capitales. Cela dit, les proportions ne sont pas comparables. Dans l'horreur, le Kampuchea démocratique est aussi allé en un seul bond. Question, je vous remercie. This is my last question. Can you respond briefly because we are on time limit? Do you think the national reconciliation can be achieved? La réconciliation nationale peut-elle être réalisée? And if there was there were an amnesty or pardon for the accused here, would it be possible? Can you respond briefly? Réconciliation pourrait avoir lieu. Pouvez-vous répondre brièvement à cette question? Vous me demandez une réponse brève à une question qui est extrêmement difficile, extrêmement délicate. Je crois que
Honnêtement, on ne peut pas répondre par cette question par oui ou par non. On ne peut pas répondre par cette question par une formule rapide et lapidaire. Il y a énormément de gens qui ont souffert et qui vivent, qui sont les survivants, pour qui ils portent une douleur et un deuil qui n'est pas achevé, d'une part. D'autre part, ce pays a besoin, j'ai envie de dire, en Europe, je dirais comme de pain, mais je vais le dire à Phnom Penh, ce pays a besoin comme de riz, de paix. De se tourner vers l'avenir. Donc on a des objectifs qui peuvent apparaître à certains moments contradictoires. Mais là, je crains un petit peu de déborder du cadre de ce procès pour parler de politique actuelle. Et ce n'est pas mon rôle. J'ai envie de dire, pour avoir quand même été témoin d'opérations de ralliement de d'éléments Khmer Rouge dans les années 90, que la réconciliation est un processus qui ne doit pas écarter la justice. Co-prosecutor, thank you, Dr. Jenner, thank you, Mr. President. My colleague will take the floor. Je vais à présent donner la parole à mon confrère. Merci, Monsieur le Président. Thank you, si Mr. vous President. Le permettez, j'aurai quelques questions qui me paraissent importantes à poser aux témoins et donc je risque de dépasser légèrement le temps qui m'est imparti, mais comme nous avons été assez rapides ce matin, je voudrais demander à la Chambre s'il était possible que j'aille au bout d'un certain nombre de questions pour revenir notamment sur la question de la place de S21 dans le Saint-Eban. Mais avant cela, je voudrais préciser quelque chose, Monsieur l'expert. J'ai lu un certain nombre de vos écrits, de vos articles et de vos livres que vous avez donc écrits sur le Cambodge, mais essentiellement c'est sous l'angle de l'analyse politique. Alors je voudrais savoir, d'abord, si vous avez mené des recherches, mais de type historique, de grande envergure sur le Kampuchea démocratique, ou si vous vous êtes davantage référé à des ouvrages et des écrits d'historiens, sachant qu'il me semble que vous êtes concentré beaucoup sur la période plus contemporaine du Cambodge à partir de votre arrivée au Cambodge en 1989. Pouvez-nous nous donner une idée de l'ampleur de vos recherches sur la période du Kampuchea démocratique? Could you tell us about your research with regard to democratic Kampuchea? Je ne vais pas contester que j'ai beaucoup plus travaillé sur la période qui suit 1979 que sur la période 75-79. Il n'en demeure pas moins, et ça, on y a fait allusion tout à l'heure, que j'ai fait notamment avec un historien qui s'appelle Ben Kiernan de l'Université de Yale, parti du conseil scientifique qui a préludé à la création de DICICA, mais que dans ce cadre-là, j'ai participé notamment à des travaux de recherche sur justement ce qui a été évoqué tout à l'heure avec M. le juge Lavergne, le caractère, la dimension raciste du discours politique du Kampuchea démocratique. Je vous remercie. Est-ce que, plus précisément, vous avez pu conduire des recherches spécifiques sur le Saint-Eban et la place de S21 parmi les centres de détention du Kampuchea démocratique? Et si oui, pendant combien de temps, pour quels résultats, éventuellement, quelles publications qui m'auraient échappé? Did you publish this? Perhaps I did not see some of the publications that you have made. Je n'ai pas publié sur ce sujet. Par contre, toujours dans le cadre de la même équipe, à une époque où les informations étaient beaucoup moins nombreuses que celles que nous avons aujourd'hui, je parle des années 80 et 90, avec notamment une équipe qui se trouvait aux États-Unis. Nous avons essayé d'identifier un certain nombre d'éléments qui, aujourd'hui, pourraient se traduire par quelle était la chaîne
la chaîne de commandement dans le système de sécurité. À ces travaux-là, j'ai participé. Dans votre consultation écrite à la demande de la défense, comme l'a dit le juge Lavergne tout à l'heure, nous n'avons pas trouvé, à part des mentions générales des sources, nous n'avons pas trouvé de notes de bas de page pour justifier chacune de vos arguments, chacun de vos arguments et de vos conclusions. Pourtant, vous êtes un analyste, vous êtes un chercheur professionnel, donc je m'étonne un peu de la méthode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix que vous avez posé, qui ne nous permet pas, nous, de vérifier ce que vous nous dites dans cette consultation? Je comprends très bien votre question, parce que je suis premier quand je vois un texte qui n'est pas s'appuie pas sur des références, à le regretter. Mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé. On m'aurait demandé de faire une étude de 150 pages avec les 40 dernières constituées de notes, de références et de sources. Je l'aurais fait. On m'a demandé de rédiger un document relativement court qui apportait l'essentiel de ce que j'estimais avoir à dire sur les points qui ont été énuméré tout à l'heure par M. le juge Lavergne. Et je suis très conscient qu'un tel document est faible pour quelqu'un qu'il faut convaincre. Mais moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Monsieur l'expert, je pense qu'on peut vous donner l'occasion de vous rattraper, si c'est possible. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la liste de vos sources qui vous permettent de conclure que les 196 centres de sécurité recensés par DICICAM auxquels vous faites référence, je cite, se répartissent en quatre catégories? Chaque type de centre relevant de l'autorité en charge de l'unité administrative correspondante sans qu'il y ait une hiérarchie entre les niveaux. C'est votre document D82 à la page 7 du rapport en français. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a conduit et quelles sources vous conduisent à dire qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre les centres de sécurité? To come to the conclusion that there was no hierarchy between these security centers. Les sources sont les documents de DICICAM, les recherches que j'ai faites, je les ai faites à DICICAM. Évidemment, je ne peux pas citer de mémoire les numéros de référence des documents, vous comprendrez bien, mais ce sont des documents qui se trouvent dans le fonds que représente le fonds d'archives et de documentation de DICICAM, par un travail qui a déjà été fait par d'autres chercheurs que moi-même de l'équipe de DICICAM, et notamment un ouvrage sur la chaîne de la terreur qui est assez explicite mais qui ne concerne qu'une zone en particulier. C'est de ces recherches-là que j'ai déduit que je ne vois pas un lien hiérarchique. Tous les chiffres dont on dispose, moi j'ai retenu 196, il y en a peut-être davantage, mais on ne voit pas un lien hiérarchique entre les différents centres de sécurité. Ils ont, pour l'essentiel, une même fonction, un même rôle, avec, je l'ai dit tout à l'heure au juge Lavergne, les spécificités qui sont celles de S21. Ça à savoir, je répète, la possibilité d'interner et puis de traiter, comme on le sait, des gens venant. La compétence de S21, sa compétence géographique est étendue au territoire national, ce qui fait la grande différence avec tous les autres. Mais personnellement, je n'en déduis pas que ça crée un lien hiérarchique, que ça place S21 au-dessus des autres centres de sécurité. C'est vrai qu'on va trouver à S21 des gens dont les responsabilités dans le système sont bien plus élevées que les victimes des autres centres de sécurité. Mais encore une fois, en dehors d'une importance morale, je dirais que sur le plan d'une structure administrative de l'appareil de sécurité, ça ne confère pas
pas une autorité hiérarchique supérieure. Merci. Cependant, dans votre consultation, vous avez vous-même fait état du fait que dans le Kampuchea démocratique, la structure administrative était fortement hiérarchisée et vous avez mentionné quatre niveaux justement pour les centres de sécurité, ceux qui étaient établis au niveau des districts, au niveau des régions, au niveau des zones et un seul que vous mentionnez au niveau du comité central, donc S21. Est-ce que cela ne dénote-t-il pas justement déjà une hiérarchie entre les centres de sécurité, une hiérarchie qui serait en quelque sorte parallèle à la structure administrative du Kampuchea démocratique? Pour pouvoir le dire avec une certitude absolue, il faudrait avoir ce, à ma connaissance, nous ne disposons pas aujourd'hui, des traces de transfert d'un centre de district vers un centre de région, par exemple. Alors que ce qu'on sait, c'est qu'au contraire, et ça d'ailleurs dit dans un document, si je me souviens, le 30 mars 1976, il y a une responsabilité du district, il y a une responsabilité de la zone, et c'est chaque fois à ce niveau-là, sans qu'il y ait un lien, une communication, si je puis dire. C'est ça qui m'incline à penser qu'il n'y a pas une véritable hiérarchie. Si je reprends l'exemple de M. Van Natt qui est venu témoigner ici, si vous connaissez son histoire, il a été arrêté dans une coopérative à Balat, où il a été détenu pendant peu de temps. Puis il a été transféré au centre de sécurité du secteur 4 à Wat Sam Rong pour une nuit. Puis il a été transféré à Wat Kendal à Battambangville, qui était donc le centre de sécurité de la zone. Et finalement, après avoir été détenu quelques jours sur place, il a été transféré à S21. Est-ce que cela ne dénote pas clairement que, en général, les personnes qui étaient arrêtées, soit étaient interrogées et exécutées sur place, soit étaient alors transférées vers le centre de sécurité du centre, s'il s'agissait d'une personne considérée comme importante? Et est-ce que vous auriez des contre-exemples où des gens auraient été arrêtés vers au centre et auraient été envoyés vers des centres de détention ou de sécurité dans les districts ou dans les zones à partir du centre? Answer. L'hypothèse du contre-exemple que vous avancez n'est pas vérifiée dans les faits, c'est clair. Je ne peux pas non plus dire que le cas de M. Van Natt soit une pratique courante. Beaucoup de ceux qui sont venus à S21 sont venus directement, qu'ils aient transité une nuit par un centre de sécurité local de district ou régional, mais c'était dans un itinéraire qui les amenait à S21. They were headed for S21. Comment expliquer, prosecutor, how can one explain que à S21 se sont retrouvés non seulement 155 personnes d'après certaines listes qui ont été produites, 155 personnes qui étaient membres de S21, qui ont été arrêtées à S21 et qui ont été exécutées sur place, mais aussi d'autres personnels, d'autres cadres, de centres de sécurité du pays. Et c'est l'accusé qui a dressé une liste lui-même de 40 noms de personnes venant d'autres centres de sécurité du pays et de toutes ces zones. Comment expliquer qu'ils aient terminé leur vie à S21 et que, d'après ce que l'on sait, aucun membre du personnel de S21 n'ait été envoyé dans les régions par contre?
out to some of the other regions. Pour ce qui concerne les responsables d'autres centres de sécurité, j'y avais fait allusion ce matin, pour moi la réponse c'est parce que la décision de les envoyer à S21 relève du comité permanent du centre. C'est ça qui fait la spécificité de leur envoi à S21. D'accord, je voudrais revenir, Monsieur le Président, sur la conclusion du témoignage de l'expert ce matin. Après nous avoir fait de longs développements sur l'influence du communisme et du stalinisme, sur la pensée des leaders du camp, des futurs leaders du Kampuchea démocratique, tout à la fin, l'expert a conclu en disant que il était d'accord avec le fait que Dutch pouvait être à la fois acteur et otage. Alors, je n'ai pas complètement compris sur quoi reposait la conclusion, si c'était la conséquence logique de tout ce que vous aviez exposé auparavant, ou s'il s'agit d'autres choses dont vous n'avez pas exactement parlé. Mais je voudrais attirer votre attention sur trois éléments parmi beaucoup d'autres et obtenir vos commentaires. La première chose, vous avez dit tout à l'heure qu'un certain nombre de personnes avaient répondu à l'appel du prince Sihanouk de rejoindre le maquis et de rejoindre le funk, mais Dutch n'a pas rejoint le maquis ou rallié le PCK en raison de cet appel. Il était acquis à l'idéologie du parti. Il était prêt, après ce qu'il a dit même, à sacrifier sa vie pour le parti. Et donc, vous avez rappelé tout à l'heure aussi que quand on devenait membre, on devait connaître un certain nombre de préceptes ou de principes fondateurs. Il les connaissait donc et il connaissait également le radicalisme du PCK. Et il a connu rapidement un certain nombre de ses dirigeants. Donc on ne peut pas dire qu'il a été pris par surprise, comme les sihanoukistes funk. Pensons plutôt qu'il partageait l'idéologie, ainsi que les conséquences de cette idéologie, notamment la lutte armée. Ce qui n'en ferait pas nécessairement un otage, mais plutôt un acteur. Deuxième élément, c'est à propos de la terreur dont vous avez parlé. Bien sûr, on peut dire que cette terreur s'abattait sur tous les Cambodgiens, y compris ceux qui participaient au régime, mais n'est-ce pas aussi l'accusé qui a largement contribué à cette terreur par sa créativité, son organisation de M13 et S21 et le développement de certaines méthodes de torture qui étaient le fruit de son expérience passée? Et troisième élément sur lequel je voudrais vous apporter un élément de réponse, c'est comment expliquer que s'il était vraiment otage, une fois que les Vietnamiens ont pris la capitale en 1979, pourquoi aurait-il poursuivi son engagement au sein des Khmer Rouges pendant 20 ans, alors qu'il aurait sans doute eu l'occasion, avec un peu plus de volonté de rester derrière, ou de profiter du chaos qui régnait dans la fuite pour pouvoir quitter ses compagnons d'armes. Lorsque Nick Dunlop et Netanyahu l'ont interviewé en avril 1999, il a été démasqué. Il était donc toujours avec les Khmer Rouges, alors même que Nunchia et Khieu Samphan et bien entendu Yeng Sari auparavant s'étaient rendus à Phnom Penh dès fin 1998. Donc c'est la longueur de son engagement. Est-ce que vous pensez vraiment que cela dénote une qualité d'otage? Merci. Simplement, je voudrais souligner que je n'ai pas parlé d'acteurs et d'otages, mais de serviteurs et otages, qui n'est peut-être pas la même chose, très précisément. Pour votre premier point, ce n'est pas contestable que l'accusé était membre du parti et qu'il était donc dans un système qui, à l'époque, je l'ai souligné, était dans l'ombre, en tout cas, du président du Fung de Norodom Sihanouk, que l'élément de surprise
n'a pas existé pour lui. There was no surprise element. Moi, j'ai du mal à considérer que I have trouble accepting l'accusé ait contribué au développement de nouvelles méthodes de torture. Celles qui sont utilisées à S21 sont déjà connues avant, et même avant même 13, je veux dire. Ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de nouveau. Elles ont été pratiquées, permettez-moi de le dire, dans les prisons de Norodom Sihanouk dans les années 50 et dans les années 60. Est-ce que ça a contribué à la terreur? Bien sûr. Tout système qui fait appel à des méthodes comme celle-là nourrit la terreur. Pour votre troisième question, je pense que les choses ne sont pas si simples. On le sait pour des milliers de personnes. Elles ont été, le 7 janvier 1979, emmenées par les forces Khmer Rouges en retraite vers les confins du Cambodge, les Cardamomes, la frontière thaïlandaise. Et on a d'ailleurs, je vais dire, un réseau de fosses communes, des gens qui ont été abattus parce qu'ils ne voulaient plus suivre, parce qu'ils étaient épuisés. On peut se poser la question de savoir si quelqu'un qui a exercé les fonctions de directeur des S21 peut penser que faire d'abord défection de son camp est de nature à lui garantir sa sécurité. Vous évoquiez une situation de chaos en 1979. La situation s'est relativement vite stabilisée sur le plan du maintien de l'ordre. On peut penser que l'accusé ne voyait pas un intérêt personnel à faire défection vu le rôle qui venait d'être le sien depuis presque 4 ans. Et donc il se sentait davantage tenu de rester, même s'il savait qu'il était dans un mouvement, on ne peut plus parler d'un état, mais dans un mouvement où l'élimination physique continue. À preuve, c'est que quand il fait défection, il est victime d'une tentative d'assassinat qui va réussir pour son épouse. Ce qui confirme qu'il y avait des risques pour lui. Alors, à partir de là, moi je crois qu'aller plus loin, c'est relever de la spéculation. Je considère que quand on a, je sais bien que les comparaisons sont toujours dangereuses. Enfin, on ne connaît pas de chef de camp d'extermination SS qui ait rallié les alliés. Plus nombreux sont ceux qui ont essayé de disparaître dans l'anonymat et de s'enfuir, particulièrement en Amérique latine. Quand on a, permettez-moi de dire comme ça, le curriculum vitae de Douche en 79, je ne pense pas qu'on soit enclin à rallier des autorités qui viennent de renverser le régime qu'on a servi. Monsieur le Président, j'aurais une toute dernière question si vous m'autorisez à la poser. Monsieur le Président, si vous me permettez de partir, je voudrais poser une dernière question. The President, you may proceed, but please be mindful of your time allocated, because we would like to make sure that we finish hearing his testimony this afternoon, and I hope you would also have the chamber to shoot his purpose. Je crains que nous n'ayons pas entendu ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Ça n'a pas été traduit, donc je ne sais pas si je suis autorisé à poser la question ou pas. As there was no translation, I do not know whether I am allowed to put the question or not.
President, of course, you are allowed to put your last question, but please remind that the time allocated to you have been fully used, and we wish to remind you again that if the prosecution has used more than the time allocated to you, then the other parties would wish to have their time doubled as well. And the Chamber is of the opinion that if this system keeps going, then we would probably not be able to finish hearing the testimony of Mr. Jenner this afternoon. And we do not wish to have the session in relation to this testimony to any time after this Pchumban festival. So could you please try to limit to the time allocated for you and that use it wisely? Thank you. Je vous remercie. C'est donc la dernière question. Monsieur l'expert, le 6 août 2009, Madame la juge Cartwright a cité David Chandler dans une question qu'elle lui adressait et elle a dit, je cite votre livre, Monsieur Chandler, S21 était probablement l'institution la plus efficace dans le pays, et étant donné que S21 se protégeait de ses ennemis perçus et protégeait le parti de ses ennemis perçus, S21 fut un des principaux éléments du parti. Fin de citation de David Chandler. Et Madame la juge a demandé si cela confirmait l'image émergente de S21 et la place de S21 par rapport aux autres institutions de Saint-Ébal. Monsieur Chandler a répondu, je cite, « Oui, effectivement, à l'analyse des informations venant d'autres centres de Saint-Ébal dans le pays, on n'arrivait pas au même degré d'information lorsque l'on interrogeait des prisonniers dans les autres centres du Saint-Ébal. Les autres prisons n'étaient pas administrées directement du plus haut rang et des plus grands dirigeants du pays, ce qui était le cas pour S21. Quant à l'efficacité des autres prisons, il semble qu'elles n'étaient pas du tout efficaces, pas du tout aussi efficaces que S21. Les autres centres, au contraire de S21, n'appelaient pas l'attention des plus hauts dirigeants du pays à l'époque. Donc je voudrais savoir si vous pouvez me faire part de vos commentaires par rapport aux déclarations de M. Chandler qui dit que S21 était l'un des principaux éléments du parti et notamment le fait que c'est quand même à S21 que beaucoup de réseaux d'importance de traite dans le pays ont été découverts grâce notamment à Dutch et à ses acolytes. Et les personnes qui ont été exécutées en conséquence de la découverte de ces réseaux ont pu l'être ailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas la spécificité de S21 de recueillir autant de confessions et de débusquer tous ces réseaux de traîtres, entre guillemets, dans le Kampuchea démocratique, et ce qui fait que c'est une institution unique en son genre? Does this not make S21 unique as an institution of that type? Je suis de ceux qui ont non seulement beaucoup de respect, mais beaucoup d'admiration pour le travail de David Chandler, qui est un peu un pionnier et un modèle pour nous tous. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse diverger sur certaines appréciations. Quand vous dites beaucoup de réseaux ont été découverts, ce sont vos mots, ce ne sont pas ceux de Chandler, monsieur le procureur, je n'ai pas le sentiment que c'est S21 qui procédait à des enquêtes pour découvrir des réseaux. On n'a pas de traces de cela. Les gens qui étaient amenés à S21 avaient fait l'objet d'un travail d'enquête ou de suspicion ou de jalousie ou de tout ce qu'on peut trouver comme conflit à l'intérieur d'un parti politique comme celui-là.
mais en amont, ce n'est pas, ce n'est ni le directeur, ni les collaborateurs de S21 qui procèdent aux enquêtes, qui justifient la décision, qui n'est pas la sienne, mais celle du comité permanent, d'amener des gens à S21. Alors, quand tu as parlé de découverte, ben, c'est toute la, entre guillemets, vertu des confessions que de faire dire ce qu'on a décidé que la victime avait à dire et qui ne relève pas du choix des 21, mais du choix du comité permanent, du bureau 870. C'est là l'origine. Maintenant, sur la fin de la citation de David Chandler, c'est là que moi j'exprime ma plus grande divergence, parce que si effectivement on avait eu beaucoup moins de victimes, on avait eu beaucoup moins de victimes dans tous les autres 195 centres de sécurité. Comment se fait-il que nous soyons à 1,7 million? Comment se fait-il qu'il y ait quand même beaucoup plus de morts que les 12 000 aidés retenus dans le réquisitoire ou les 16 000 qui sont souvent cités? Si les autres centres étaient si modestes que cela. Or, des morts, il y en a bien eu. Encore une fois, je suis le premier à dire, méfions-nous des statistiques et surtout si elles sont basées sur les squelettes. Mais il se trouve que les centres de sécurité ont été identifiés, leur localisation a été identifiée et que autour de ces centres de sécurité, il y a ce qu'on trouve à Schoeneck. Donc il y a quand même eu des exécutions et des exécutions en très grand nombre. Je ne pense pas qu'on doive minimiser ce qui s'est passé ailleurs, même si ce ne fut pas, si les autres centres de sécurité n'ont pas été le dernier cadre de la vie de dirigeants nationaux ou de cadres importants. Il y a suffisamment de cadres intermédiaires qui ont péri dans les autres centres de sécurité. Je vous remercie, Monsieur l'expert. Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le Président. Merci de m'avoir accordé plus de temps que prévu. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais, au nom de mes confrères, demander, poser une petite question à Monsieur Génard. Nous nous interrogeons sur le fait que nous avons entendu, et ça a été dit aussi par Monsieur Laverne, que vous aviez rencontré Monsieur Douche pendant qu'il était détenu, et que nous n'avons au dossier. And in the record of the nous case, n'avons au dossier aucun document, document qui relate ces visites, c'est-à-dire aucun compte-rendu de ces entretiens. Alors, ma question est la suivante. À quel titre avez-vous été rencontré l'accusé, quand et pourquoi n'y a-t-il pas eu de compte-rendu qui permette effectivement aux parties à ce procès de savoir quel a été le fond de vos entretiens? The President, since it is an appropriate time to take the adjournment, the Chamber will take the adjournment for 15 minutes. Any parties who wish to put questions to the expert could do so during the time allocated for them. The court official. The court official is now instructed to make any necessary arrangement for the expert to de s'occuper de l'expert to take pendant la pause qui durera 15 minutes. Somme Jane Crouch. The greffier, all right.